la semaine prochaine, je partirai au Brésil parce que dans 2 semaines, normalement, on va relâcher les premiers 8 spics dans la nature après 22 ans d'absence dans leur habitat. Le gouvernement brésilien, eux, ils ont fait vraiment une réserve naturelle là-bas. Et maintenant, avec notre partenaire en Allemagne, le ACTP, ensemble, on a construit des centres d'élevage. Et donc, les oiseaux qui sont nés en captivité sont envoyés au Brésil pour être lâchés dans la nature. Alors ici, justement, les oiseaux sont en programme de reproduction. Et du coup, ici, justement, ils sont à l'abri des requins, justement, pour avoir une certaine, on va dire, privation de l'habitude. Oui, c'est ça, de l'habitude même à l'homme. Maintenant, ils sont pas de contact même avec les soigneurs. Cette expérience montre que si on veut vraiment, on peut sauver une espèce. Évidemment, c'est aussi important de rappeler que c'est à cause de nous qu'il était éteint au début. Donc je pense que c'est une bonne leçon aux gens de dire, regarde, on peut le faire, mais aussi stop, on doit arrêter à menacer les autres espèces.